Quand j'ai participé avec mes camarades à l'ascension du Mont Mera au Népal, j'ai dû abandonner avant d'atteindre le sommet, parce que mon taux d'oxygène dans le sang la nuit était trop bas. La raison, je fais de l'apnée du sommeil, une condition qui affecte de plus en plus d'individus en Amérique du Nord, entre autres à cause de l'épidémie d'obésité. Et comme vous allez le voir, l'apnée du sommeil, si elle n'est pas traitée, peut contribuer à l'avènement de sérieuses maladies. Maryse Forêt s'apprête à prendre le volant. Pour la plupart des gens, c'est une action tout à fait banale. Pour elle, c'est une aventure périlleuse. C'est vraiment pas long. La plupart du temps, là, je pense que entre 8 et 12 minutes, je tombe vraiment en somnolence. C'est vraiment comme si j'avais pris un somnifère. J'ai deux enfants, donc c'est sûr que quand je conduis, puis qu'ils sont avec moi en auto, c'est stressant. Au Québec, 20 % des accidents de la route sont dus à la somnolence au volant. Madame Forêt n'a jamais eu d'accident, mais elle doit souvent ranger sa voiture sur l'accotement pour combattre le sommeil. Depuis plusieurs années, elle prend des antidépresseurs. Mais sa fatigue et peut-être même sa dépression pourraient venir d'ailleurs. Cet automne, elle a passé un test de saturométrie à domicile, prescrit par la clinique du sommeil de l'Hôtel-Dieu du CHUM. Un équipement simple porté sur elle durant une nuit enregistre le taux d'oxygène dans son sang, la fréquence de ses battements cardiaques, ses efforts respiratoires, le débit d'air et le ronflement. Le docteur Pierre Maillé, directeur de la clinique du sommeil de l'Hôtel-Dieu du CHUM, fait l'évaluation de la nuit de Mme Forêt. Donc, ici, on a un exemple type où tu ronfles, l'air a de la difficulté à rentrer, puis on voit que la coupe... Diagnostic, apnée du sommeil légère avec une quinzaine d'arrêts respiratoires à l'heure. Et tu les avais commencé, les antidépresseurs, pour quels symptômes? Gros problème de mémoire, concentration, irritabilité. Ce qui est intéressant, c'est que ces symptômes-là sont également exactement ceux de l'apnée du sommeil ou de la haute résistance des voies aériennes supérieures. Et il y a à peu près 2 patients sur 3 qui nous consultent pour de l'apnée du sommeil qui ont des antidépresseurs. Bien des dépressions camoufleraient des cas d'apnée du sommeil. Une maladie secrète qui progresse au même rythme que la hausse de l'obésité dans la population. En effet, apnée et excès de poids vont souvent de pair. La présence de gras réduit le passage de l'air dans la gorge. Durant le sommeil, les muscles qui maintiennent les voies aériennes ouvertes s'affaissent et bloquent l'arrivée d'air. Plus la personne inspire, plus les voies aériennes se resserrent par suction. L'asphyxie peut durer des dizaines de secondes. Autant on grossit de l'extérieur, autant on rapetisse de l'intérieur. Donc la graisse qui s'est accumulée au niveau du cou va entraîner une fermeture progressive de ce qu'on appelle le larynx ou le pharynx, donc l'endroit où sont nos muscles de la phonation particulièrement. Donc toute la gorge, la langue, qui sont musculaires, vont être infiltrées de graisse et vont se refermer progressivement. Si l'apnée de Maryse Forêt est légère, celle de Brahim Tala est sévère. Travailleur de nuit, il n'est jamais reposé en se levant. Sa vie est une lutte perpétuelle contre son désir de dormir. Sa femme se plaint de ses ronflements bruyants. Alors, j'ai jamais été satisfait comme en me levant, bon, soit le matin, soit quand, bon, pour vous dire que je peux dormir à n'importe quel moment. Quand je me réveille, j'ai toujours le besoin. Lui aussi a fait un test de saturométrie à la maison. Les résultats sont alarmants. Il cesse de respirer de 30 à 40 fois à l'heure. Ce qu'on voit sur le tracé, M. Talin, c'est que sur une période, par exemple ici, de 5 minutes,
Vous arrêtez de respirer à toutes les minutes, pour en moyenne 20 à 30 secondes. Et il n'y a plus d'air qui passe. Vraiment, tout est bloqué au niveau de votre gorge. C'est comme si quelqu'un vous étranglait. Et dès que vous êtes pour vous réveiller, relâche, et là, l'air recommence à rentrer. Et ça rebloque. Et ces arrêts respiratoires-là entraînent des augmentations du rythme cardiaque. Donc, c'est un stress à la fois pour le cœur, pour le cerveau. Ça brise votre sommeil, ça crée de la fatigue et de la somnolence. Je ne savais pas que tellement ça a été grave comme ça. Bon, apnée, je sous-estimais l'effet que ça peut causer avec les arrêts, l'effort que mon corps fait, là, tous ces efforts que fait le corps, là, c'est, il ne faut pas résister à tout ça longtemps. Pendant ces périodes de privation d'air, le taux d'oxygène du sang de M. Talla, normalement à 95 % de saturation, chute alors brutalement à 80 % Ses vaisseaux sanguins se contractent. Alerté, le cerveau se réveille, commande l'ouverture de la gorge et le rétablissement de la respiration. Ce brusque retour de la ventilation fait bondir la pression dans ses artères, au point où, à la fin d'un épisode d'apnée, la pression artérielle peut atteindre des taux deux fois plus élevés que la normale. À toutes les heures, cette véritable tempête intérieure secoue de 30 à 40 fois son corps, alors qu'il devrait normalement se reposer, récupérer. Mais surtout, ce stress cardiovasculaire peut avoir des effets plus dramatiques encore. L'accident vasculaire cérébral se voit le plus souvent au cours de la nuit, moins dans le jour. Et il se voit aux petites heures du matin, 3-4 heures du matin, qui est physiologiquement l'heure où survient le fameux sommeil paradoxal, qui est le sommeil où on voit le plus d'anomalies de la respiration, où les anomalies sont les plus longues. Donc, il y a plus de manque d'oxygène et où, lorsque le sujet reprend sa respiration, il peut y avoir le plus d'augmentation de la pression artérielle. Donc, ces à-coups de pression, en eux-mêmes, peuvent avoir des conséquences directes au niveau vasculaire cérébral. Ça a des conséquences au niveau cardiaque aussi. Au laboratoire du sommeil de l'hôpital Laval à Québec, le chercheur Frédéric Siriez s'intéresse au lien entre l'apnée du sommeil et le mal du siècle, le syndrome métabolique. Son étude auprès d'une centaine de personnes à risque a produit des résultats alarmants. 30 % de ces patients souffrent en plus, sans le savoir, d'apnée du sommeil. Le syndrome métabolique est une combinaison de surpoids, d'hypertension, de résistance à l'insuline, avec un taux élevé de cholestérol. Un cocktail malsain lié à la sédentarité et à la mauvaise alimentation. C'est explosif parce qu'effectivement, ils ont le risque métabolique et il va y avoir surajouté à ça le risque lié à l'apnée. Chose qui est en train de se développer aussi et de manière assez claire, c'est les risques de diabète qui sont associés aussi à l'apnée et aux périodes de manque d'oxygène la nuit. Donc, comme je vous disais, le diabète ou la résistance à l'insuline faisant partie de la triade du syndrome métabolique, l'apnée du sommeil se surajoute encore une fois comme facteur additionnel pour développer ce genre de complications-là. Le défi principal de la personne qui souffre d'apnée est de perdre du poids. 10 % de perte de poids diminue de 30 % le nombre d'arrêts respiratoires. Mais c'est aussi le défi le plus difficile à relever. La perturbation du sommeil modifie la sécrétion de certaines hormones qui contrôlent l'appétit. Le manque de sommeil engendre la faim. Et c'est ce qu'on voit un petit peu dans la clinique courante, c'est que souvent les personnes qui viennent nous voir, les sujets apnéiques, ont pris, je dirais, 10, 15, 20 livres dans les 2-3 années précédant la consultation. Donc, il y a une espèce de boucle d'enchaînement, apnée du sommeil chez une personne qui a déjà un excès de poids. L'apnée favoriserait la prise de poids, qui favorise l'apnée, donc on a une boucle d'auto-aggravation qui fait que tant qu'on n'arrive pas à rompre le cercle vicieux et à traiter l'apnée, ça peut continuer comme ça. La courroie derrière votre tête. Brahim Talla fait l'essai d'un CPAP, un appareil à pression positive continue, le moyen le plus efficace pour corriger son apnée. Ce masque pousse l'air et force le dégagement des voies respiratoires. C'est sûr qu'au départ, vous serez peut-être pas confortable, mais vous allez voir, dès que vous allez vous endormir, l'appareil va faire son travail, augmenter sa pression sur l'obstruction et votre qualité de sommeil va vraiment, vraiment beaucoup s'améliorer.
OK, vous devriez moins vous réveiller. Et réveiller votre conjoint aussi. Cela fait maintenant 2 semaines que M. Talla dort avec son masque. Il se dit complètement transformé. Je me sens en pleine forme quand je me réveille. Là, c'est tout à fait différent. Je remarque qu'il souffre plus comme avant. Avant, il arrêtait de respirer, ça m'effrayait. Mais là, il respire tout le temps. Et des fois, je rentre juste dans la chambre pour le voir respirer. Et je regarde la machine, puis c'est vraiment une grande différence. Pour ceux qui se soumettent fidèlement au traitement, les résultats sont remarquables. 60 % des patients atteints d'insuffisance cardiaque souffrent d'apnée du sommeil. En traitant leur apnée, leur condition cardiaque s'améliore de façon marquée. Même chose pour ceux souffrant d'hypertension. En regard de l'hypertension, par exemple, qu'on appelle résistante, donc le patient qui a besoin de plus de 3 médicaments pour contrôler sa tension artérielle, l'apnée du sommeil est présente dans 83 % des cas. Et lorsqu'on traite cette apnée du sommeil-là, les patients réussissent à contrôler leur pression dans tous les cas. Donc, l'effet est plus grand que l'effet pharmacologique. Avec l'épidémie d'obésité que connaît l'Amérique du Nord, faudra-t-il dépister plus systématiquement les personnes à risque de faire de l'apnée du sommeil? Et faudra-t-il les dépister plus tôt? Je pense qu'avec l'augmentation d'obésité et de surcharge qu'on voit, qui touche même les enfants, les adolescents, on peut s'attendre à ce que, un, la prévalence augmente, et deux, qu'on ait à faire des diagnostics de plus en plus tôt. Et ça, je pense que c'est très net. On est amené, nous, on ne suit pas d'adolescents, mais je vois des collègues pédiatres qui commencent à être obligés de prescrire des CPAP chez des enfants. Quand on pense qu'on pourrait avoir une situation où quelqu'un pourrait être amené à débuter un traitement dans la vingtaine et le prendre à vie, ça commence à devenir assez dramatique.